Là, sur le camp des Garrigues, on est en train d'effectuer la formation initiale pour les nouveaux équipiers qui serviront au sein du GAEA. Donc les équipiers spécialisés des sections des SAED, des régiments d'infanterie, des pelotons d'aide à l'engagement à débarquer amphibie pour tout ce qui est cavalerie et les FOS, PCG pour le génie, le SAEA, les sections d'aide à l'engagement pour l'artillerie et la 6e CCT. Toutes ces sections, elles forment le groupement d'aide à l'engagement amphibie. Donc au niveau de la brigade, on est différentes unités de l'infanterie, cavalerie, artillerie, la 6e CCT, les compagnies de transmission de la brigade, tout ce qui est génie aussi. On est tous regroupés pour former, au même titre que les GCP, les groupements commando parachutistes et les groupements commando montagne, former un groupement commando pour les opérations amphibies. Les formations qui sont données là pendant les différents modules, c'est les formations initiales pour que les jeunes équipiers, les nouveaux venus dans le groupement, puissent s'acculturer à ce type de combat qui est différent et aux différentes procédures qu'ils vont devoir employer pendant les missions. Fiche, consommation à charger sur le personnel. Deux personnels de chez nous, face à l'objectif, à distance 15-20 mètres, non? Ils ont traité l'ennemi, mais ils n'ont pas coiffé l'objectif. Analyse des buts, analyse de l'arme, analyse des secteurs. Si je décide de tourner à droite de cette façon-là, ok? Vous désépaulez, sortez mis en place, je me tourne, ok? Je reviens ici. Okay, ça c'est bon. Donc actuellement, nous sommes dans une ferme à proximité du camp de Garrigues. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un module qu'on appelle AUD Azure. Donc la moelle, c'est tout ce qui est maîtrise d'opérations armes légères. Donc là, on est en train de travailler. En fait, c'est une petite répétition de savoir est-ce que... de constater un niveau de nos élèves actuellement, hein, des gens qui sont en train de former, tout ce qui est manipulation des armes. Donc manipulation, c'est tout ce qui est manipulation des bases, c'est tout ce qui est changement chargeur, tout ce qui est résolution des incidents de tir, à différentes postures, différentes positions tout simplement. Ça va nous permettre en fait dans notre avancement dans les modules de voir comment les gens, une fois qu'ils seront dans les pièces, dans les bâtiments, est-ce qu'ils vont casser la sécurité ou pas tout simplement, pour voir est-ce qu'ils sont à l'aise avec les armes ou pas. Donc on est en train de former, c'est parmi les derniers modules si je ne me trompe pas, c'est le dernier module de nouveau équipé GEA de la 6e BLB, donc c'est parti Azure. Donc combat Azure, c'est tout ce qui est, c'est un petit combat qui est un peu spécifique, bon je dis petite, mais c'est le grand combat qui est un peu ses spécificités. Donc combat Azure, donc il faut bien prendre compte qu'on est toujours vulnérable, hein, qu'on soit extérieur ou l'intérieur de baraques, de pièces. Et donc ça nous ajoute un peu de difficulté, plus que dans un combat, par exemple, milieu, terrain ouvert. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant dans la journée? Donc on va essayer de travailler tout ce qui est dans la nuit, pareil, avec tout ce qui est moyen de vision nocturne, et effectuer les mêmes gestuels, les mêmes procédures. Mais vous êtes 49 du son. Oui, je sais. Ah, ok, t'as... Reçu pour mission, le groupe Noir 31 de détruire par embuscade un convoi ennemi. Entre 3h et 4h du matin. Donc, on a eu une fin d'infiltration assez compliquée. On a eu des petits délais sur les mises en place. Maintenant, on est 100% en place.
Allez, on dépasse l'objectif. Vous checkez les véhicules. Pour la reste, on dépasse. Ok, deux PAX à l'extérieur, Delta Charlie Delta, deux PAX à l'intérieur, Delta Charlie Delta. Ok, grenade. Topo. Ouais. Préparez l'équitation. Merci. On va poser la famille. Écartez-vous, grenade. Allez, grenade. Allez. Ça passe. Pour l'instant, la formation est axée sur 4 modules. Un module de remise à niveau, comme je disais, on vient de toutes les armes. Donc on fait une mise à niveau, que ce soit aussi bien en combat, en tactique, en théorique, en technicité, sur multiples matériels, et ainsi qu'en tir. Ça, c'est le premier module qui dure une quinzaine de jours. Le deuxième module qui est en train de se dérouler, c'est le module de combat commando, où là tous les équipiers apprennent toutes les spécificités du combat commando et tout ce qui est procédure de travail commando, donc qui est un peu différent des actions d'infanterie ou autre. Ensuite, on a un module proprement parlé amphibie de 3 semaines, qui va dérouler juste après la formation qu'on est en train de faire là, où là, les équipiers apprendront tout ce qui est technique de palmage, infiltration de surface, changement de milieu et tout ce qui est action à partir de la mer pour aller faire une action sur la terre. Et enfin, on fermera sur le dernier module d'une quinzaine de jours, qui est le module de combat milieu clos, le combat en milieu urbain, pour avoir un panel complet de tous les éléments qu'ils pourraient trouver lors des missions. Une fois que les deux sont prêts, ben comme dans un 3-6, le deuxième il prévient son camarade, ok moi je suis prêt aussi, et il reste face au chef de groupe qui se trouve au milieu pour avoir les éléments. Donc aujourd'hui, ce que vont travailler les stagiaires, c'est la technique du changement de milieu, c'est-à-dire qu'après leur phase d'infiltration nautique, ils vont devoir passer en tenue sèche pour commencer une phase d'infiltration pédestre, tout en étant en mesure de combattre. Donc d'abord, on leur fait dérouler 2 jours d'une manière pédagogique pour qu'ils apprennent à le faire, pour ensuite le faire d'une manière très technique, de nuit, en sécurité, sans lumière, sans quoi que ce soit. L'objectif, c'est bien à la fin de la semaine de les emmener à mettre en œuvre ces techniques sur une phase de mission avec une vraie infiltration pédestre à la fin de la journée. Donc là, la particularité pour le binôme dans cette phase sensible, c'est bien qu'on est de travailler toujours en sécurité et en sûreté, c'est-à-dire qu'il y a un binôme qui fait la sécurité dans un dispositif 360, pendant que l'autre binôme, qui lui est dans sa phase sensible de changement de milieu, c'est-à-dire sans protection balistique et sans armement, est protégé par le deuxième qui lui reste en combinaison ou en tenue sèche et surveille dans sa direction. Je suis le chef Natal, je suis le sous-officier adjoint de la section d'aide à l'engagement amphibie du 3e régiment d'artillerie de marine, situé sur Cangers. Donc aujourd'hui, nous sommes ici au centre d'instruction nautique du 3e Rama et nous encadrons la formation amphibie, spécificité milieu, pour les jeunes aspirants à entrer donc au groupement d'aide à l'engagement amphibie de la 6e BLD. Et là, nous basculons sur la partie un peu plus mise en emploi tactique avec des missions spécifiques qui leur sont bien données, des études de terrain, des prépas missions, le tout dans un contexte amphibie. Donc actuellement, nous sommes en train d'effectuer un exercice d'infiltration en kayak afin de sécuriser une plage pour pouvoir permettre l'arrivée d'un groupement tactique embarqué, depuis un PHA notamment. Et là, actuellement, les stagiaires font leur test chronométré 1000 mètres palmage. Donc pour eux, l'objectif, c'est d'être entre 17 et 21 minutes pour continuer à participer au stage et à la formation Palmer pour rentrer dans les clous d'une infiltration en vue d'effectuer ensuite des missions. Merci.
Après, je retournais, je sais que le corps était avec moi, mais j'étais fatigué. C'était un peu plus facile au retour, mais ouais, début un petit peu corsé quoi.